toi, fleur de muguet? Est-ce toi, charmant bleuet? Qu'avez-vous azalé? Oh, laissons-la, Magotte. On ne va pas gâcher notre promenade en nous occupant des ennuis de cet amas préhistorico-guignolesque, hein? Oh, ma chère Bergamote! Oh, cher Lopux! J'ai une nouvelle vocation. Je ne savais pas. Oh, mais vous vous êtes mis à la diète? Oh non, j'ai toujours aussi faim. D'ailleurs, j'ai toujours aussi faim quand je change de vocation. Et qu'est-ce que ça que c'est que votre nouveau métier? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, je suis la vache de mille métiers. Partout, j'ai roulé ma bosse. Oh, c'est plutôt un dromadaire, alors, c'est pas une vache. Ah, j'ai eu toutes les vocations, mais toutes ont échoué dans le fracas des rires. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais vous m'avez pas répondu, hein? Quelle est votre dernière vocation? Moi aussi, je voudrais faire retentir le fracas de mon rire. Chut! Je suis un petit animal courageux. Je veux recourir ma chance. Ma grand-mère du Far West disait toujours, on n'a jamais fini. Mais mon grand-oncle des Indes, moi, il disait la même chose. Mais oui, il faut tenter toutes les chances. Oui, c'est vrai. Oh, mes amis, voulez-vous que je vous conte ma vie? Est-ce que tu as besoin de rire en ce moment, Magotte? Tu es méchant, mon Pollux. Tu te moques toujours d'Azalée. J'ai commencé par être infirmière. J'étais alors toute jeunette. Hé, Azalée! Une goutte de fortifiant sur cette fleur malade. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le cher homme Boudance? Une goutte ou un flacon? Oh, un flacon, ça ne peut pas faire de mal. Après cela, j'ai été conférencière. Vous étiez déjà moins jeunette, hein? Merci à vous d'être venus. Je vous parlerai aujourd'hui comment perdre du poids sans rien faire. C'est pas que ça m'intéresse, mais je fais le public. Je n'étais pas très convaincante. Ensuite, j'ai été virtuose. Mais qu'est-ce que c'est à vous? C'est ce qu'on appelle un doigté délicat. Ensuite, en broutant avec Hortense, ma cousine, elle m'a dit: tu n'as pas réussi dans l'art, entre donc dans l'armée. Et je suis devenue tout de suite générale. Il paraît que je le rappelais quelqu'un. C'est alors que je suis revenue à l'art. Agricole. Non, danseuse. Légère. Je suis légère. Je flotte. Hop, je tourne. Oh, je glisse. Oh, quoi me raccrocher? Je m'étais raccrochée aux moustaches de Zébulon. Tout cela est bien étrange. Je suis devenue Azalée l'invincible. Corsaire. À ma mort, Père Bégonia. Peu cher, je suis Père Pivoine. Et c'est à tribord qu'il faut dire, hein? Mais non, Père Bouton d'Or. Bâbord, c'était la côte. Oh, combien de marins, combien de capitaines. 6 vocations, 6 échecs. Il faut essayer à nouveau. Prenez des cours par correspondance. C'est inutile pour ma 7e vocation. Car c'est d'être... Quoi donc? Oh, je n'ose. Quoi donc? Je suis inquiet. Oh, je n'ose. Je voudrais être une fée et lancer des vœux. Oh non, non! Si! Zim boum crac! Abracadabri! Abracadabra! Abracadabri! Changez-vous tous les deux en oiseaux! Oh! Ma 7e vocation n'était pas un échec!